Bonjour et bienvenue à jouer en Xenogears. La dernière fois, on avait assisté à quelque chose, parce qu'on avait, on avait découvert quelque chose d'assez incroyable. Deux secondes, je reviens. Bon. Ça part bien vidéo, ça. Ouais, on monte les escaliers mécaniques. L'ascenseur, pareil. Ça, ça monte croche, fait que c'est comme un escalier qui c'est comme un robot qui monte l'escalier pour nous autres. Je sais pas si vous comprenez. Et c'est long. Ah. Allez, à cette heure, on rentre dans une autre facilité de... Ah, comme... Je sais pas pourquoi des fois avoir des combats de même, on va faire comme l'image de même, mais ça va avoir rien de plus spécial qu'un autre combat, là. Ouais, mais être planté, eux autres, avec un merveilleux... C'est 4 de dommages. Je sais pas si ça fait heure, ça, par exemple, c'est simplement... D'abord, ça que ça fait assez de dommages. Wow! C'est ôtez-vous de là, hein? Lui, j'ai hâte qu'il apprenne cette technique-là là, pour qu'il y en ait un autre. Là. Pas moi, on l'apprendra pas. Head the town. Wow. Attaque lui là, pour l'assassiner. Tiens, ouais! Je sais pas d'où ça vient cet appel-là, là, mais ça a pas l'air normal. Oups, c'est vrai. J'ai complètement oublié d'utiliser une tente. Eh ben. Faut que je check où est-ce qu'il y a un save, là, parce que... Ouais, tough down, après, moi. Tiens, ça, cette attaque-là, vous l'avez jamais vue. Eh! Ah, finalement, il a pas fait d'armes pas en tout. Alors, combien d'HP de 200? Ah, là, là, ça. Bon, où c'est qu'on est, là? Oui, il va y avoir un save juste à côté, quelque part. Là, là on rentre dans... Je sais pas c'est quoi exactement, cette place-là. La porte barrée ici. Verrouillée. Il y a une porte barrée ici, en haut, aussi. Tu le vois, la bébête que je parle à un moment donné? Ah, pas là. Je vais pas te barrer avec deux coffres de l'autre bord, évidemment. Bon, fait qu'on va aller de la seule porte qu'on peut rentrer, c'est ça. On va aller là. Là, il y a... Dans... Ben, ce coup, cette place-là est comme divisée en deux. Il y a 19 coffres dans la première. Puis l'autre, je pense qu'il y en a une autre dizaine encore. Donc, on va s'occuper de ça. Non, ça va être le premier item, ça va être un Aquasol Deluxe. On va aller chercher ça. Ah ouais, hein? On dirait que c'est des combats arrangés quand ça fait ça. C'est pas sur le bout tout le long de même, je m'en maquerai, mais... Aquasol Deluxe. Je peux pas pitonner sur l'ordinateur. Genre. Ça a l'air que oui, mais... Non, non, il va y avoir un autre... Le deuxième coffre, il va y avoir un save avec, il va être droit là. Ça, c'est assez malin si vous avez pas de carte. Non, avec une carte, ça se fait très bien. Ok, il y a plein de saves ici. C'est le site qui collecte toutes les données là, pour les saves. Là. Puis c'est là, là qui. Une grosse conspiration, ce site, ça se passe. Tente. Si cette place-là se détruit, là, ça finit là, le plan. Là. Quasiment ça. Donc, ce que je veux, c'est utiliser une tente. Elle tombe bien. Eh, merci beaucoup, bonsoir. Ça, ça redonne des MP un peu. On n'a pas encore pogné de Wells pas à tout. On va en pogner bientôt là. On s'est sûr certain qu'on va en avoir, il va y avoir des combats qui s'en viennent là. Bah ben, on a pogné les Dorothées là. Qu'est-ce que c'est que ça? On voit la lumière, on voit mieux. Qu'est-ce que... C'est que cette chose? Un guide? Non, regarde, la surface de l'armure n'est pas segmentée. Comme pour le guide de Barthes, d'Advari, et celui que nous avons aperçu à Chevat, c'est un homme négé.
Mais cette chose est gigantesque. Oui, il doit être environ 3 fois plus puissant que nos propres guides. Voilà donc l'omni-guide de Solaris. Bon. Ça a l'air. À qui appartient-il? Bon. Où est-ce que je suis rendu? J'essaie de voir 3 coffres dans cette pièce-là. Il y a un homme chaud là-dedans. On parlait à lui. Oh! Ça faisait longtemps! C'est moi, le propriétaire du chien à Kisvel. À Kislev, excusez. Je dis Kisvel depuis le début, mais c'est Kislev. On ne dirait pas, mais le chien va bien. Je vous en prie, ne me faites pas sortir. Même si je suis conscient, je pourrais... Je l'ai fait sortir pareil. Vous avez ouvert. J'avais dit de ne pas le faire. Ah, mon esprit... Je vais refermer en exprès. Ok, c'est ça les Wells que je parlais là. Je me suis arrangé qu'on pointe tout le temps à ça là. Ça c'est des orphans, ils ont vraiment, vraiment, vraiment beaucoup d'HP. Puis à chaque fois qu'on attaque et contre-attaque, peu importe ce que vous faites, essayez de juste sauver le plus de dommages possible. Mais c'est bon. Là, il va contre-attaquer, il va essayer d'healer ou voler nos MP. Ok, là il a volé ça. Il a volé des HP. Fait que là, essayez de faire juste faire le plus de dommages possible. Ok, il a volé un peu de EP. Là, il attaque son tour, ça bien. T'en as que j'aille ça quand tu vois les EP de Lee. Ça me tombe sur les nerfs. Ouais. Ça a l'air qu'il contre-attaque pas aux attaques de même. Hellfire, c'est assez puissant, fait que. Utilisons-le. Tu as volé ma vie et va me voter à B. C'est vrai que ça va. Ça doit voter fort, ça, avec le double. Hitter doubler. Doubler. Ça va être pas fort, celui. Bon, là, d'après moi, il devrait mourir. Mettons que la première fois qu'on joue, là, c'est le genre de monstre que tu te sauves. C'était comme, ok, ouais, t'es un petit peu trop fort, là. C'est parfait. Mon chien, prenez soin de lui. Il est où, ton chien? Obtenu Muscle Belt. Muscle Belt. Surtout qu'on ouvre la porte, on va nous courir après. Bon, bonjour. Pourquoi ils ont commencé un trip à faire des genres de combats de main là? On avait déjà vu un avant là. Tiens, ouais, éliminé. C'est là, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu. Je trouve que les autres sont plus forts, évidemment. Pour du temps, ils vont se suicider, par exemple. Comme lui fait là. Ils vont sauter le tour ou ils vont se suicider. Et là, il est mort dans la mort, il s'en est suivi. Peut-être que c'est le souffert. D'après moi, on l'aura pas. Bon, là, je fais avec ça, faut quoi. Bon, il est plus fort que fait. Double kick. Double shot. Excusez-moi. Double kick pareil. On va dire que ça avec Oogie l'ours. Et ouais. Bon. Donc là, on va voir le deuxième coffre. Un Nekai. Et on va libérer l'homme chat. Allez, hey, tu m'as sorti de la cage! Hey, aidez-moi! Mon corps! Mon corps! Oh, yo, yo. Ah non, pas encore. En fait, au début, j'ai dit que c'était le Soylent, mais c'est pas Soylent pendant tout, c'est le Krellian's Factory.
c'est son usine personnelle. Ce qui conduit ses recherches. C'est qu'on va voir des solariciens. Bon, puis dans cette pièce-là, ça va être la même maudite affaire qu'on vient de faire. Là. Ça a l'air d'être une femme. Moi, je sais ça d'ailleurs. Je sens que je vais vous manger. J'ai faim. On va sûr que c'est une Dorothée, fait que le combat devrait pas être là. Ouais. Arcane Sanctuary. Tiens, ouais. Je vous dis. Compliqué, là. Faut vous la tuer au plus vite parce que sinon, elle fait une maudite technique assez énervante. Qui fait que ça confuse tout le monde dans votre équipe, là. Hey, tard, ça coûte tout qu'on peut s'acheter. He's a scat man! Coffre. Tenue globe. Trompette switch. Encore un autre scat man. Ces combats ne finiront donc jamais. Et on est même pas. On va avoir des méchants paquets de combats à dire, mettons que. Ouf. C'est décourageant. On va empoigner un autre là, tu sais bien ça. Un coffre merveilleux. Ah ouais, extra air plus 6. Oh, un autre coffre là. Ah ouais, je le vois venir de jeu là. Un globe. C'est sorti à vendre ça. Je m'en rappelle plus. On va deux autres coffres encore ici. Mais je croirais qu'à un moment donné, on n'aura pas des items à l'infini. Bon, je vais rentrer dans la porte directement après le combat. Pépite d'or encore. Yeah, 2000 pièces, c'est vrai que dans mes poches. Oh yeah! Pis ça, ça va être un hub mid. Qu'est-ce qu'on est supposé de faire avec tous ces mythes là? Bon, fait que reste rien qu'un coffre à poignée. Non, c'est pas plus que ça. J'ai dit qu'il en avait 19, on est rendu à 12. Je vous mène en bateau, vous me créez au fond. Ah, come on, là! Cette année, c'était combat là tous les 30 secondes. Je vais me doroter pour suivre, là. Ça passe assez vite. Hein. En même, je me remplisse, là. Hop, mon œil, il me fait mal, là. Donc, je pense que c'est ça que je vais faire tout de suite. Fait. T'as une MP, c'est en 3 ans. Arrête de te fouiller dans le nez. Je vais pas faire de même. Ok, avec le 13e coffre ici. C'est à la table en plus. Ah, merde. J'ai obtenu un quoi seul de luxe. Là, faut peser sur l'ordinateur ici. Verrouillage de sécurité off. Fait que là, toutes les portes vont être débarrées. Anglais soldats qui font du dommage. Il est cube, mais on va jamais le temps d'attaquer. Non? Donc là, on peut en passant par ici, on en revient. Si vous avez bien suivi, vous avez aperçu qu'on a fait un carré complet. On est revenu dans la pièce, que la chose était barrée, fait que la porte est en haut, va être barrée. Et. Tente, merveilleux. À quoi ça, merveilleux? C'est en place, c'est ce que je rêvais d'avoir depuis toujours. Bon. Entrons dans la porte. Là, on va arriver dans un corridor. Si vous allez en haut ici, vous arrivez dans la place qui avait les trois cages. Si vous allez ici, vous arrivez dans l'autre place qui avait trois cages. Fait qu'on va continuer tout droit. C'est pas là qu'on peut pas retourner ce qu'on vient d'aller. C'est quoi ça? Ah, c'est un cerveau, c'est ça. Avec la colonne vertébrale avec. Je suis typique, ça. Un loup, non, des mains, le cerveau c'est correct là, mais là, wow là. Je suis au Silver AR pis ça. Juste voir s'il y a des nouvelles techniques qu'on a sur le bord d'avoir. Fuké, là, je suis 97. Je sais pas c'est lequel, lui, rien que des triangles. Là. Je m'en suis rappelé ce fois-là. Il y a lui du Wind. Lui du Wind, c'est ça.
pas c'est quoi. Comment ça on fait pour entrer dans l'écran les 4 et les 7 triangles? Terra charge. Deux secondes, j'en reviens. Ok. Le devoir, finalement, il n'y a pas de triangle. C'est juste que j'avais confondu une affaire de. Un petit peu croche. Parce que, à cause, il dit juste de faire triangle pour apprendre les techniques plus vite de cette façon-là. Comme ça, vous faites plusieurs. Je sais pas, il y en a plusieurs qui ont deux fois triangle, puis ils ont fait la même. Donc là, lui qui est plus proche, c'est Terra Charge. Ça, c'est triangle, carré, X. Fuquet, c'est triangle, X. Puis ça, c'est triangle, X aussi. Fait que c'est pas mal ça qu'on va faire avec tous les personnages pour l'instant. Qu'est-ce qu'ils font pour faire des hommes aussi gros? Check ça, le poisson. Ça, c'est de la grosse truite. Ça, là. Attends, ça. Juste que c'est le dedans, là, qui est à désirer un peu, là. Il semble pas que ça a l'air d'être une truite, là. Puis ça, là. Je sais pas si c'est un bug visuel là, de l'émulateur, là, mais je me rappelle pas d'avoir vu un insecte aussi fucké que ça. On sait bien, évidemment. J'ai décidé de garder lui en vie juste pour monter mes techniques un petit peu. Ils vont finir qu'il va mourir un matin, il y a que 200 d'HP quand même. Puis on l'attaque quand même, c'est quasiment un genre de 15 chaque tour. Parce qu'on le touche de 5 minimum. En tout cas, de 12 à 15. Hey, on a fini par l'éliminer à coup de claque à elle. Moi, ça, on va en avoir un. Fuquet! Willow Wind. L'autre, elle l'a pas appris. Voilà. On est à combien? En tout cas, ils ont toutes les attaques sauf elle. Hein. J'aimerais ça qu'elle l'aille. Skill 99. Au prochain combat, ça devrait être ok. On se bat. Bon. Ah bon, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a envoyé des rayons laser, c'est des créatures. Tu vois, on dirait qu'il y en a deux, une par-dessus. C'est sans astifine. Cette fondeuse. C'est pas normal que c'est pas du site. Je veux pas voir ça. Ok, ça t'en a une méchante gang. Ok. Et lui il est en feuille plate dans le chaud. Il y en a un autre site de même aussi. Tout en cage, je sais pas si sont vivants puis qu'ils nous regardent, mais bon. Dites, pourriez-vous ouvrir cette porte? C'est facile! Appuyez sur le panneau juste là! Merci! En reste remerciement, je vais vous dévorer! Je serais pas capable de se contrôler, on sait bien. Hein? Là, on va commencer par les illuminer. On va checker nos nouvelles attaques. Hein? D'après moi, celui-là serait supposé toucher tout l'écran. Hein? Mais. Pas de chance! Pas fait pour, faut croire. Celui-là, ça va vous rappeler de quoi. Mon dieu, explose pas. Ça ressemble pas mal à l'attaque que l'autre faisait sur nos robots, sauf un petit peu plus, pas mal différent. Là. Bon, l'autre se suicide, imagine toi donc. Ouais, ça que t'apprennes ta technique, toi là. Viens, oublie l'ours. En tout cas, c'est deux. Il y a deux coffres dans la cage où il y a tous les monstres. On va pas mal tous les tuer. Mais ce qui est dedans est très, très bon. Il y en a qui vont sortir, qui vont se promener là. Il y en a qui vont nous sauter dessus. Tuez-moi! On va pas mal tous les couper aussi là. Oh. Au secours, je ne contrôle rien, ne me tuez pas! Lui qui le choc, il nous marche dessus, il habituellement marcherait n'importe où sans s'occuper de nous autres. Hein, mais ça a l'air qu'il a décidé de marcher dans notre direction cette fois-là.
C'est drôle, il n'y a rien qu'une Dorothée dans toute la gang. Il y a trois orphans. Et il y a aussi un boss dans la gang. Le boss, je pense pas qu'il est dans la cage. Hop, moi je le vois. Là. Je pensais qu'il sortait d'un des tubes qu'on a ouvert. Moi, j'ai pas lu ce qu'il disait. Oh, il est bébé à l'abri. On va voir ça tout de suite, c'est quoi? Nous avons été transformés en Wells pour une expire... pour t'en lire. Qu'est-ce que tu veux, toi? A mutant edition... Pas traduit. Ok, faut qu'on va tester ça là-dessus. Vu qu'on a pas mal d'attaques, Custer devrait être... pas mal plus facile. Ils sont faibles à quoi, eux autres, je sais pas. Willow Wind, ouais, c'est ça. Laser Beam! 940. Ne me tuez pas! Voyons voir. Est-ce qu'il y a de la fauche en tabarnak? Eh ouais. 1000. Ah, ça que ça fait 100. Attaque à Ellie, c'est assez quelque chose. Mais ça a l'air que... c'est rare Earth. Je sais pas son weak à quoi, là. If everything else fails, use fire. Comme disait l'autre. Dans Zelda. Ah mais comme toi, t'as ça là, Ellie a même pas encore attaqué là. T'es recherche. Miss, hit! Gros son qu'elle va. Il est mort. Merveilleux. Il en reste deux de même à battre. Les Wells sont plutôt bons, et vous? Ok, ça c'est le boss qui s'en vient. Là, ça, je pense, je sais pas si c'est le bleu ou le vert. Pour moi, c'est le vert. Ok, finalement, il nous ignore totalement. Voyons, l'ivrogne. Je suis humain, utilisé pour être. On va en voir trop, là, mais bon. Dans les égouts, vous vous êtes bien occupé de mon frère. C'est lui le boss. En fait, sont deux là. Et oui, il est comme son frère aussi. Là, je me suis rempli dans un des combats, mais c'est mieux de pas vous remplir au complet pour ce combat-là, pour une simple bonne raison que il va tuer deux personnages tout en partant. 1000. Et je sais pas combien d'HP. Si c'est la même affaire que les autres, il y a 42 d'HP. Là. Je sais pas combien d'HP qu'il y a. On va essayer de les éliminer le plus vite possible. Peut-être qu'il va cracher dessus, hein? On le sait pas. Hein? Tabarnak. Murder still all HP. C'est pour ça que c'est mieux de pas vous remplir. Hein? Bon, finalement, ça le touche tout le temps de 5, c'est du maximum d'HP qu'il y a. Je vais donner un Zeta Sol à elle pour être sûr que ce soit pas Doc qui porte un tour sur Resurrecté. Parce que part de ça, c'est les attaques que ces deux-là sont vraiment proches. Ils font juste ça tout de suite au début du combat puis leur font jamais là. Ils touchent d'un. Pas mal seul. Zeta Sol. Ils sont aussi forts que ceux-là d'avant, c'est juste que là, il y en a deux à la place. Pas mal seul. Je sais pas s'ils font Bloody Rain. Je n'ai jamais vu les faire. Aucun rapport. On prend pas vraiment, là, mais bon. Les Bloody Bro. Oh!
Allez, lâche pas maintenant que t'es capable. D'un coup, tu vas être mort. Là. Ah ben ça, l'avoir cette attaque-là, par exemple, c'est ça. Pour quelqu'un qui veut pas se battre... parfait. Putain, on s'occupe de lui. Je sais jamais quelle attaque faire avec lui. Puis quand tu sais pas lui utiliser le même, tu fais n'importe quoi. Habituellement, ils ont jamais de la main. Mais... Bon, que je voulais juste dire. On doit avoir ça, là, 4242 d'HP. Pas digne d'une scène ben ben cette attaque-là. Bon. Hey, crache pas dessus. Encore un coup d'avoir été fini. Invoque le pays du sol. Ah, encore un finalement. Ouais, non, invoque le pays du ciel. Il est venu en flamme, ouais, il a l'air d'être faible au feu finalement. Tiens, tout à l'heure il en reste rien qu'un. Ça, ça va être. Oh, ça fait mal, ça fait mal! Il souffre de partout. Ça va être un combo normal. Il nous reste plus gros d'HP. Obtenu Ether Veiler et Deathblower 3. Oh yeah. Les autres sortent pas de deux choses finalement. Y'a que lui qui a ouvert, il me semble pas qu'il était ouvert tantôt. Non, c'est bon. J'ai juste la mauvaise angle. Bon, fait que là, c'est qu'il nous reste à pogner. Ah, ça rien, me semble. Je pense qu'on a pogné les 19 items qu'il avait à pogner ici. Et bon, un save set, un combat aussi, ça là. Le dernier combat va finir la vidéo. Ah, come on! Ça se fait. T'as les orphans trop longs. Que je vais prendre une tente, puis on va se sauver. Tente. Fait que merci d'avoir regardé, et à plus tard.